Bonjour, bonne arrivée dans la maison de Dieu. Vous êtes chez l'homme de Dieu, Papa Florian. C'est la première fois qu'on voit, on voit qu'il y a un problème au niveau de la peau. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Mardi passé. Mardi passé. Il a eu cochon. Il a eu cochon, ils ne sont pas appliqués. Voilà, ils ne sont pas appliqués. Il a appliqué. Son papa est médecin. Ok. Mercredi matin, on voit tout son corps est devenu rouge. Ils ont envoyé le temps pour faire l'examen. Tout. Ils ont payé le médicament, tout. Mais quand on donne le médicament encore là, ça chauffe. Quand on donne là, ça chauffe. Quand un dimanche, tout son corps là, ça quitte. Ça a commencé à brûler. L'enfant a pleuré. Il pleure. Ah. Il envoie les enfants sur une télé, il m'a dit pas. Il a donné de l'aide à l'instant de Jésus. Mais il pleure. Il ne t'aide pas. Depuis le mal, c'est hier. Je suis venu ici là. Et ça a commencé à faire. Donc déjà en quelques jours là, c'est comme ça que la maladie elle est devenue. Oui. Mais à l'hôpital aussi ils n'ont pas dit c'est quoi. Ils disent c'est manque de sang. Invention, voilà. C'est le délai en ce moment. En ce moment, on peut payer tout médicament. Tout médicament de 20 000. Le Dieu de pouvoir faire bien sa guérison. Il était très malade. Il y avait des apparitions sur tout le corps, mais aujourd'hui on remarque que pratiquement tout est terminé. Hein? Oui. Voilà. Okay. Vous étiez là jeudi. Oui, aujourd'hui est lundi. En 3 jours seulement, le miracle s'est opéré. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a eu? C'était mardi, il a eu cochon. Son papa l'a fait piquer. Par exemple, il était à l'hôpital. Son papa travaille à l'hôpital. C'est son papa qui est là. Oui. Quand il a fait piquer, ça va, mardi là. Mercredi matin, bon, il s'est réveillé. Tout son corps là, c'est comme ils ont gratté, puis c'est devenu rouge. Rouge. Il a pris l'enfant pour aller à l'hôpital. Il a fait examen, tout. Il a payé le médicament de 25 000 même, tout. Quand ma voisine a dit qu'allons chez un patient. Mardi soir, elle dit allons à dormir là-bas. On est parti. Quand on est rentré chez Passer là, il n'a pas dormi jusqu'à on est parti vers les 22h. Il n'a pas dormi jusqu'à matin. Mon enfant a respiré derrière la mort de mon enfant. Mercredi à 4h, il s'est réveillé. Il dit, la mort de mon mari, on a dormi. Il dit, ah, allons. Quand on est parti, il dit, je marche pas, Florent, t'es là-bas. Il dit, toi, tu t'en fais quoi la nuit là? Il dit, je vais partir. Il s'est arrivé. Il a vu mon enfant, il dit, il faut prendre l'air. Il a pris l'air, là, il a renversé dans la bouche de l'enfant. Il s'est assis à côté là. Quand il a pris, il a mis ça sur le manette là, il a commencé à taire. Alors qu'il ne t'était pas. Il ne t'était pas une semaine. Il ne pisse pas. Une semaine. C'est ça, il est venu chez lui matin. Il a touché, il m'a donné Cibodem, tout. Cibodem, là, il voit la maison. Maintenant, il a lavé l'enfant là, même chez lui là. Tout est quitté, tout est versé à tout terre. Est quitté. Tout est versé. Le même jour. Tout, même jour là. L'endemain, encore vendredi, elle a lavé l'enfant là. Elle a frotté sang de Jésus à elle, Cibodem là. C'est disparu. Bonjour. En tout cas, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Mon fils est devant moi, je suis très content. Il mange tranquille. Il s'amuse à ses grands frères. Après, je suis très bonjour la maman, bonne arrivée, très heureux de vous retrouver avec un large sourire. Mmh, voilà, on va filmer d'abord ce joyau là, parce qu'il était très malade, le corps était vraiment gâté. Aujourd'hui, votre sourire est bien large, ça sous-entend que Dieu a fait quelque chose de miraculeux, c'est Dieu du Papa Florian. Voilà. Sa peau est redevenue normale. Où il tirait la peau là. Je remercie Dieu le Père Florent. Je remercie beaucoup. Le Père Florent. C'est son sang de Jésus qui a fait, son lait qui a fait, qui a guéri mon enfant. Je remercie beaucoup Dieu le Père Florent.